bonheur, les rumeurs du net. Et ça, c'est important, les rumeurs du net. Patrick Timsit, le site internet sont pleins de votre nom, il y a plein de choses. Quand on parle de vous partout, il faut me dire si c'est vrai. Ça, si c'est ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Première rumeur, pour entrer dans un rôle, il paraîtrait que vous commencez par les chaussures. Ah oui ? Non. Non. Ah oui, je commencerai par les chaussures. Oui. Non, du tout. Non, c'est même le truc que je mettrai en dernier, même. Vous n'allez pas choisir vous-même les chaussures pour les rôles. Ah si, c'est important les chaussures. Oui. Ah, c'est très important. Ah oui, non, mais je vais pas commencer par les chaussures. Mais c'est important. C'est vrai. Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut absolument. On le dit, il faut être bien dans ses pompes. Dans un rôle, c'est être bien dans ses pompes. Deuxième rumeur, vous collectionneriez les montres. Non, j'ai des montres, mais. C'est pas une collection. Mais c'est quoi ? Oui, c'est des rumeurs, donc ce sont c'est des pas rumeurs. Un questionnaire de police non plus. Attendez. Mettez-lui la lampe un peu plus dans le visage. Demandez à Julien. Non, j'ai des montres, j'aime les montres, j'aime beaucoup vous les montres. Oui, absolument. Vous voulez que je donne les marques ? Non, mais non. Parce que je peux donner les marques. Faut si vous voulez qu'il vous en offre. Donc, voilà, de quelle marque vous n'avez pas Coultre. Voilà, quelle est la marque que vous n'avez pas que les... RTL peut-être. Il l'aura montré à RTL. Ah oui, une jolie montre RTL. Ça, vous l'aurez ça me manque. Ah, voilà. Si vous êtes sage. Ça serait chouette. Ça. Ouais. Oh, merci. Vous inquiétez pas. Oh, merci. On dit merci qui ? Merci. Il fait comme merci ça. RTL. Merci RTL. Voilà. Évidemment. Bah, en revanche, les belles ne sont pas fournies. Non. J'en demande pas tant. Merci. Déjà, la montre, ce sera très bien. Voilà. Troisième rumeur. Vous auriez la phobie de l'eau. Et vous séchiez d'ailleurs les cours de piscine. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être l'un va avec l'autre, c'est-à-dire j'étais pas doué pour nager. Puis alors, quand on parlait justement de la vocation, c'était un prof de français qui s'appelle Pinto da Silva, donc je désespère de retrouver un jour, puisque j'ai toujours cherché à le retrouver, plus jamais. Et c'était au lycée Carnot, et il réunissait les classes de 6e et de 5e, et il me faisait faire des sketchs, des récitations. Et c'est lui qui écrivait mes mots d'absence pour la piscine. Mon fils ne pourra assister à la piscine. Formidable. C'est pour ça que je nage bien. Donc bon, je lui dois un truc et puis il y a un autre truc. Mais c'est pas grave, ça ira. Je le remercie quand même. Il paraît que quand vous êtes seul, vous jouez au baby-foot. Oui. Ça, c'est... Alors seul. Pas tout seul. Seul. Oui, c'est difficile. Je vais avoir l'air d'un con. J'ai dit oui un peu rapidement. Oui. J'avais du mal à comprendre. Non. Faut être plusieurs. Bah oui. C'est un peu comme l'amour. Ça reviendrait. Est-ce que c'est vraiment de l'amour quand on est seul? Et pourtant, Dieu sait que c'est bon. Non, le baby foot. Je n'entends pas. Que dites-vous? Non. Le baby foot, c'est vraiment. J'ai toujours un baby foot pas loin parce que et ça permet même de travailler, c'est-à-dire que d'apprendre son texte, puis de faire les coupures aussi. On a la rage, comme ça, on sait qu'il y a un texte qui est trop long, on se met au baby-foot et puis on réfléchit et on coupe. Ça libère de la souffrance. Pas mal. Vous seriez fan des séries télé et vous auriez des écrans télé partout chez vous. J'aimerais faire rêver les gens. Je pourrais dire oui pour les faire rêver, mais non. Ça fait rêver. Non, mais il y a des. J'ai des amis qui regardent les séries non-stop, et c'est vrai qu'ils m'en parlent. Alors, il y a quelques séries télé. C'est vrai que, par exemple, là, il y a Breaking Bad, où j'avais commencé Breaking Bad. C'était hallucinant. C'est une série américaine qui, paraît-il, est vraiment. Les saisons. Ah, c'est fantastique. C'est un ami qui apprend qu'il a un cancer, et du coup, pour payer les traitements, il décide de vendre de la drogue, en fait. Voilà. C'est Breaking Bad, c'est-à-dire, c'est la société américaine aussi qui le pousse dans certains sens. S'il fait ça, c'est pas parce qu'il en a plus rien à foutre, c'est qu'il n'arrive même pas. Sa famille va être dans la merde à cause de sa maladie. Voilà. C'est ça aussi, c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui le pousse, donc on le pousse, c'est le pire, et il va devenir un sacré gangster, hors la loi, vraiment. C'est non seulement la drogue la meilleure, il va donner des de chimie. Donc il va devenir tueur, et puis ensuite. Évidemment, et ensuite, c'est la promotion. Main dans voilà. Autre rumeur, vous auriez une addiction au poulet. Ah oui, ça c'est vrai. Ça. C'est vrai. Ah, c'est terrible ça. J'ai fait des génocides de troupeaux de poulets, moi. Ah oui, non, mais je revendique. Si un jour je passe en justice, ce sera normal. N'essayez pas de me sauver. J'investirai même pas dans un avocat. L'avocat au poulet, c'est pas mal. Le poulet à l'avocat. Je vous laisse c'est la vôtre. Hein. Oui. Vous auriez fait. C'est vrai que vous avez fait un régime aussi où il fallait mâcher longuement. Ah oui, ça c'est Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, c'était atroce, parce que quand il faisait ce régime, il parlait pas.
On déjeunait ensemble, mais il parlait pas parce qu'il fallait qu'il mâche. Et puis en plus, franchement, il y avait un sentiment de dégueulasserie à l'intérieur de la bouche parce qu'il dit il faut que ce soit tellement mâché que. Alors évidemment, il met 2 heures pour manger, à peine une demi-assiette, donc on maigrit hein, quand et même. Tout le monde s'en va. Ah, bah, évidemment, parce qu'on a plus d'amis. Il est en train de vous dégoûter sans vous parler. Alors, c'est pas le régime que fait toujours Paul Liu ou Sulitzer. Oh non. Ah, oui, mais même il mâche, il continue de mâcher sans avoir d'aliments dans la bouche. Faut pas me lancer. Hein. Parce que moi je suis en manque. Oui, c'est vrai. Ah bah là tous les après-midi. Mais oui, avec que les bons sentiments. Les répétitions, Sveg, c'est fantastique. C'est... Hein, on s'ennuiera pas, ce sera génial. Mais enfin, en génial. Même temps... quand je vois mes partenaires, ce sera. Non, mais et en même temps, c'est vrai que ça vous manque de balancer des scuds, quoi. Ah bah là, quand je vois Jean-François, là, quand je vois Bruno Gassiou, on est en train d'écrire un scénar, et on ne pense qu'à ça. Et on se dit, bon, on va en réécrire un quand même, peut-être. Oui, il y a une certaine. Attends, et puis, il y a de quoi faire en ce moment. Ah oui, j'aimerais être... Au début, les comiques, ils ont dû se dire, forcément, on se disait, mauvaise nouvelle, la gauche est arrivée, ça va être plus dur, et puis là... Non, ah, c'est fantastique, c'est du caviar. On a Valérie Trierweiler. C'est trop. Merci, c'est trop. Vous êtes gâtés, quoi. On pensait pas que le socialisme... C'est 75%.